Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie IB au sujet du module 8. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 2.2 du curriculum IB et comprennent 10 unités. Cette vidéo va concerner la forme des molécules. Les molécules qu'on a dessinées jusqu'à maintenant étaient toujours en 2D. Maintenant, avec le modèle RPECV, on va pouvoir les dessiner en trois dimensions. Parce que le modèle de Lewis, c'était bien pour voir où sont les liaisons. Mais c'est pas vrai que la molécule, elle est plate. C'est pas vrai que la molécule pourrait être à plat sur la table. En réalité, la molécule va avoir une forme en trois dimensions. Alors, il va y avoir une partie qui va être en haut, une partie qui va être en bas, mais aussi une partie qui va venir vers l'avant. Donc, c'est comme si ça voulait sortir de ton écran. Et une partie qui va aller vers l'arrière. Donc, comme si ça voulait rentrer dans ton écran. Pour être capable de facilement dessiner cette forme de trois dimensions d'une molécule, on va utiliser un système de lignes pointillées et de lignes épaisses. Les lignes pointillées vont vouloir représenter le, la liaison qui veut se diriger vers l'arrière de l'écran, alors que la ligne plus épaisse va représenter la liaison qui veut comme sortir de l'écran. Pour dessiner ces liaisons-là, pour avoir une forme 3D, on va se baser sur trois principes pour être, savoir dans quelle direction qu'on doit placer les liaisons. Le premier principe, c'est que la, les électrons veulent occuper le plus d'espace possible. Ils sont tous négatifs et ils se repoussent entre eux. Donc, les doublets d'électrons vont se repousser et vont essayer de se placer à un endroit où elles vont être... Le plus éloigné les unes des autres. C'est pour ça qu'ici, ce ne sera pas plat. On va vouloir utiliser l'espace qui est derrière la molécule et l'espace qui est devant la molécule pour éviter cet angle de 90 degrés ici qui est trop petit. On va essayer d'avoir un angle plus grand que 90 degrés. La deuxième prémisse, c'est qu'il y a des doublets non liants et des doublets liants et s'il y a des doublets non liants, ils vont occuper un espace plus grand que les doublets liants. Par exemple, dans une molécule d'eau, on va pas dessiner notre notation de Lewis comme ça parce que c'est pas vrai que la molécule est linéaire. En fait, on va la dessiner de cette forme-là ici avec un certain angle entre les deux parce que les doublets qui sont ici exerce une force plus grande que les doublets qui sont dans le lien et les doublets non liants vont pousser sur les doublets liants pour les forcer à descendre vers le bas. C'est pour ça que la molécule sera pas parfaitement linéaire. Elle va être plus fermée et que notre molécule d'eau qu'on dessine ensemble depuis quelques années déjà a toujours cette forme-là. Et dernier principe, c'est qu'il y a des liaisons doubles et triples qui vont occuper plus d'espace que les liaisons simples parce qu'il y a plus d'électrons dedans. Pour connaître la forme, on va devoir comprendre c'est quoi le principe du domaine électronique. Donc le domaine électronique, c'est un espace autour de la molécule où il peut y avoir plus d'électrons ou moins d'électrons. Donc, sur cette image ici, la zone grise, c'est un endroit où la densité électronique est plus grande et on voit que c'est plus gris du côté de l'oxygène de la molécule d'eau et c'est plus pâle, plus blanc du côté de l'hydrogène, parce que la densité électronique blanche, elle est plus faible, donc du côté de l'hydrogène ici. Et la raison, c'est parce qu'il y a des doublets non liants qui sont dans l'oxygène juste ici. En fait, et même, il y en a deux doublets non liants. Et c'est pour ça que la densité électronique est la plus grande de ce côté-là. Les doublets liants vont quand même être un domaine électronique puisqu'il y a des électrons dedans. Et s'il y a des liaisons doubles ou triples, ça va quand même être un seul domaine électronique. Donc, il va falloir que tu sois capable de les compter, les domaines électroniques. Et quand on va les compter, ça va toujours être autour de l'atome central. Donc, l'atome central, c'est l'atome sur lequel tous les autres ligands sont attachés. Ici, l'atome central, c'est l'oxygène. Et les deux atomes d'hydrogène, on les appelle les ligands parce qu'ils sont liés. L'oxygène va avoir quatre domaines électroniques. Il va en avoir deux ici en haut à cause de ses doublets non liants. Il va en avoir deux autres ici à cause des doublets liants. Donc la molécule d'eau, c'est une molécule qui a quatre domaines électroniques. Si on compare avec la molécule de gaz carbonique, le CO2, on a le carbone qui est dans le milieu, l'oxygène de chaque côté, l'oxygène a ses doublets non liants, c'est pour ça que c'est plus foncé du côté de l'oxygène et c'est plus pâle du côté du carbone, donc au milieu. Le nombre de domaines doit être regardé sur l'atome central seulement. L'atome central c'est le carbone. Je ne vais pas regarder s'il y a des doublets non liants sur les ligands, c'est pas ceux qui vont m'intéresser pour savoir le nombre de domaines électroniques. C'est seulement l'atome central que je dois regarder. Et il n'y a pas de doublet non liant sur l'atome central. Il y a un lien double avec un oxygène et un autre lien double avec l'autre oxygène. Le domaine électronique, c'est la liaison. Qu'elle soit simple, double ou triple, c'est un seul domaine électronique. Donc la molécule de gaz carbonique va avoir deux domaines. Une fois qu'on va avoir déterminé le nombre de domaines électroniques, on va enfin pouvoir regarder c'est quoi les formes des molécules. Les formes des molécules vont dépendre du nombre de domaines. On peut avoir une forme pour deux domaines, des formes pour trois domaines et des formes pour quatre domaines électroniques et c'est tout. Pour le IB. En réalité, on en a plus que ça, mais pour le IB, on a seulement besoin de connaître ces formes-là. S'il y a deux domaines électroniques, la forme, elle va être linéaire, comme le gaz carbonique qu'on vient de voir. Elle est linéaire, donc l'angle qu'il y a entre les deux ligands, donc dans ce cas-ci, les deux oxygènes avec le carbone comme atome central, bien, c'est un angle plat, c'est un angle de 180 degrés. S'il y a trois domaines électroniques, là, il y a deux formes possibles. La forme où l'atome central n'a pas de doublet non liant du tout. Alors, les trois ligands vont se placer à 120 degrés pour former une forme triangulaire, une forme qu'on appelle trigonale plane. Le plane veut dire que c'est plat, donc que ça peut être à plat sur une table. Si un de ces atomes-là est en réalité un doublet non liant, donc l'angle est ici va être plus petit que 120 degrés parce que le doublet non liant de l'azote qui est ici va pousser sur les deux doublets liants et les forcer à se refermer un petit peu. Donc ça va être un angle plus petit que 120 degrés. Combien? Ben, ça va dépendre. Là, c'est de l'azote, mais ça ne sera pas toujours de l'azote. Ça pourrait être d'autres choses. Et ici, c'est de l'oxygène, mais ce ne sera pas toujours de l'oxygène. Ça peut être d'autres choses. S'il y a quatre domaines, ben, on a le méthane, comme on vient de voir. Et tu, je t'ai dit tantôt que l'angle allait être plus grand que 90 degrés. Ben, tu dois savoir par cœur que l'angle est de 109,5 degrés ici. Pour l'angle entre deux ligands, que ce soit ces deux hydrogènes, ou que ce soit ces deux hydrogènes, ou que ce soit ces deux hydrogènes, ou que ce soit ces deux hydrogènes, ça va toujours donner 109,5 degrés, l'angle entre les deux ligands. S'il y a un de ces atomes-là qui est en réalité un doublet non liant, Bien là, le doublet non liant va pousser sur les ligands, ça va rapetisser l'angle un petit peu jusqu'à 116,7 degrés. Et c'est ça qui va nous donner la forme pour l'ammoniaque. Donc, l'angle ici entre les deux ligands, 107 degrés, l'angle ici entre les deux ligands, 107 degrés, et l'angle entre les deux ligands, 107 degrés. Et ça, on appelle ça une pyramide. Tu vois que c'est pas la même chose que le trigonal plan. C'est une pyramide, il y a une certaine hauteur, donc ça ça donne vraiment une forme 3D. Et la dernière la forme coudée pour la molécule d'eau, donc cette fois il y a deux doublets non liants et deux doublets liants pour les quatre domaines. L'angle est encore plus petit que celui de l'ammoniac, on est rendu à 104,5 degrés pour l'angle entre les deux ligands. Donc, c'est les seules formes qu'on va avoir à étudier cette année en chimie IB. On va faire des activités en classe pour t'aider à bien visualiser quelles formes sont plates en 2D et quelles formes sont, ont un volume en 3D. On va utiliser des modèles et on va utiliser une simulation en ligne pour être capable de bien visualiser ça. Pour l'instant, c'était tout et je te dis bye!